Bienvenue dans ta séance de yoga. Cette séance va se faire principalement au sol, donc assure-toi d'avoir un espace confortable. Nous allons nous installer dans une position assise confortable, de mains sur tes genoux, et tu peux fermer tes yeux. Commence en prenant quelques cycles de respiration pour t'installer dans ta pratique et pour prendre conscience de ton corps. Ici et maintenant. L'intention de cette pratique est de cultiver l'amour. L'amour envers ton corps, l'amour envers ton être. En maintenant tes yeux fermés, entrelace tes mains au-dessus de ta tête et étire-toi pour allonger ta colonne vertébrale. Et sur l'expiration, relâche tes mains sur le côté. À nouveau, sur ton inspiration, envoie tes bras très haut vers le ciel. Et cette fois-ci, attrape tes coudes opposés. Penche du côté gauche. Et penche du côté droit. À nouveau à gauche. À droite. Doucement relâche. Dépose tes mains sur tes genoux et commence à dessiner des cercles avec ta poitrine, uniquement dans un sens, en tirant ta poitrine le plus loin possible vers l'avant et en rentrant ton nombril vers l'intérieur le plus loin possible. Change de côté. Maintiens tes épaules bien loin de tes oreilles et respire. Puis relâche pour revenir au centre. Ramène tes genoux ensemble et à nouveau sur ton inspiration, tu tires tes bras vers le ciel et tu connectes le dos de ta main gauche contre ta cuisse opposée pour twister. Inspire, allonge dans ta colonne vertébrale, tire le sommet de ton crâne vers le ciel. Et sur l'expire, tu relâches. Envoie tes bras très haut vers le ciel, allonge, rentre ton nombril vers l'intérieur. Expire, tu twistes en connectant le dos de ta main droite contre ta cuisse gauche. Toujours les épaules loin des oreilles. Puis relâche. Dépose ta main droite dans le sol et pousse dans ton tapis pour envoyer ta jambe gauche à l'arrière, bras le long de ton oreille. Tire ton épaule gauche vers l'arrière pour tourner ta poitrine vers le plafond. Un grand cercle vers l'avant pour naviguer de l'autre côté, main gauche au sol, jambe droite tendue. Le bras droit est le long de l'oreille et tu pousses tes hanches vers l'avant pour trouver un léger backbend dans ton buste. À nouveau, navigue très loin vers l'avant de l'autre côté, main droite au sol, jambe gauche tendue et le bras le long de ton oreille, tu pousses ta poitrine vers l'avant. Une dernière fois de l'autre côté, navigue très bas, main gauche au sol, jambe droite tendue, pied pointé. Tire son bras très loin vers l'arrière. On le fait une dernière fois à droite, à gauche le long de l'oreille. Cette fois-ci, dépose ta main gauche dans ton tapis et ramène ton pied droit au centre de ton tapis, pointé. Lève ta jambe gauche vers le ciel, ouvre ton regard vers l'avant en archant ton dos. Puis ramène ton genou à ta poitrine en protractant dans tes épaules. À nouveau sur l'inspire, tu ouvres en tirant ton pied vers l'arrière très loin. Et tu connectes.
Encore, tu tends. Allonge. Et connecte. Tends. Jambe bien tendue, pied pointé. Et ramène à nouveau ton pied droit vers l'extérieur, jambe gauche tendue. Revenir dans ta bébé planche de côté. Avant de redéposer tes fessiers sur tes talons et directement navigue de l'autre côté. Main gauche au sol, jambe droite tendue. Dépose ta main droite au sol et ramène ton pied gauche au centre de ton tapis. Tire ta jambe droite vers le ciel, ouvre dans ta poitrine. Puis connecte ton genou à ta poitrine en protractant dans tes épaules, tu arrondis. Ramène ton genou le plus haut possible, puis retends. Encore connecte. Et étends. Une dernière fois, connecte. Étends. Tourne à nouveau ton pied gauche vers l'extérieur et retends ta jambe, bébé planche de côté. Puis dépose tes fessiers sur tes talons pour revenir dans une posture assise. Inspire par ton nez et expire par ta bouche. Retrouve une position à quatre pattes sur ton tapis. Pieds pointés. Sur ton inspiration, arche ton dos, ouvre dans ta poitrine. Sur ton expiration, amène ton menton vers l'intérieur et arrondis l'arrière de ton cœur. Encore sur l'inspiration, tu ouvres, épaules loin des oreilles. Presse le dos de tes pieds dans le sol. Et sur l'expire, tu arrondis en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Superbe. Encore sur l'inspire, tu arches les épaules loin des oreilles. Expire, tu arrondis. Retrouve une position neutre avec ta colonne vertébrale. Puis marche tes mains à l'avant de ton tapis. Monte sur les bouts de tes doigts. Flexe tes pieds. Sur l'inspiration, arche ton dos, éloigne les épaules de tes oreilles. Ressens l'ouverture dans le bas de ton dos. Expire, arrondi. En ramenant ton menton vers l'intérieur, tu protractes. Encore sur l'inspiration, arche ton dos, ouvre dans ta poitrine. Expire, arrondis et continue. Utilise ta respiration pour te guider. Marche à présent tes mains à l'avant de ton tapis et laisse ta poitrine plonger vers la terre pour Anahata, la posture du cœur. Tu peux attraper ton tapis avec tes mains et pousser contre ton tapis vers l'avant pour aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de tes épaules. Tourne tes épaules vers l'extérieur et ressens l'espace autour de ta nuque. Presse dans tes orteils et tire tes hanches très loin vers l'arrière. Doucement rétroverse ton bassin et bascule tes hanches vers la terre pour déposer tes avant-bras dans le sol. Posture du sphinx. Bascule sur ton avant-bras gauche, tu es sur le flanc gauche de ton corps. Dépose ta main droite sur ta hanche droite. Et en pliant ton genou droit, glisse ton pied vers l'intérieur de ta cuisse le plus haut possible. À nouveau, tu tends. Et tu replies. Encore tends. Et plie. Continue. Maintiens les épaules loin des oreilles en repoussant le sol avec ton avant-bras gauche. Dépose à présent ton pied droit à l'arrière de ton corps et tire légèrement ton genou vers l'arrière.
et on revient au centre, deux avant-bras dans le sol. On passe de l'autre côté, tu es sur ton avant-bras droit, flanc droit ton corps. Glisse cette fois-ci les orteils de ton pied gauche à l'intérieur de ta jambe droite et retends. Plie, tends, continue. Pousse dans ton avant-bras droit pour éloigner les épaules de tes oreilles. Dépose à présent ton pied gauche à l'arrière de ton corps et tire légèrement ton genou vers l'arrière pour ouvrir dans ta hanche. Relâche et reviens au centre. Tu peux rester sur tes avant-bras ou tendre pour ouvrir ici, un petit peu plus loin. Place ton regard sur ton épaule droite. Puis sur ton épaule gauche. Et délicatement redépose tout ton corps dans ton tapis, position allongée. Place tes mains à côté de ta poitrine, flexe tes pieds et glisse tes hanches vers l'arrière et vers le ciel en maintenant genoux et poitrine au sol. Tu cherches à ramener ta poitrine le plus près possible de tes genoux. Mains à côté de la poitrine, pointe tes pieds, ramène tes talons vers tes fessiers. Presse bien tes coudes vers l'intérieur. Respire. Redépose tes pieds dans le sol et dans un push-up, tu te relèves à quatre pattes. Yes. Dépose tes avant-bras dans le sol et tends tes jambes à l'arrière pour ta planche sur les avant-bras. Dans cette planche, vérifie que tes épaules sont bien au-dessus de tes coudes et maintiens tes hanches basses bien alignées sur le reste de ta colonne vertébrale. On travaille principalement sur la sangle abdominale. Pointe ton pied droit, pied hors du tapis, et respire. Tire ton pied très loin vers l'arrière et redépose. Pointe ton pied gauche, allonge. Et redépose. Replace tes genoux dans le sol, balasana fessier sur tes talons, bras tendus vers l'avant. Une profonde inspiration par ton nez. Une grande expiration par ta bouche. Monte très haut sur le bout de tes doigts et presse dans le sol avec le bout de tes doigts pour dérouler ta colonne vertèbre par vertèbre. Tu reviens à quatre pattes, pieds flex. Arche ton dos, ouvre dans ta poitrine et en pressant dans tes appuis, initie le mouvement vers l'arrière avec tes hanches pour basculer tes fessiers sur tes talons balasana pied flex. À nouveau, déroule vertèbre par vertèbre. Expire vers l'arrière. Continue à ton rythme. Sur la dernière, redépose tes fessiers sur tes talons. Paume de main dans ton tapis. Déroule vertèbre par vertèbre pour revenir à quatre pattes. Pied flex. Relâche ta poitrine vers le sol, puis repousse. Push-up uniquement avec les épaules. Tu relâches. Et tu pousses. Continue. On vient isoler ici dans les épaules. Et
essaie de maintenir tes épaules au-dessus de tes poignets. Engage dans ta sangle abdominale en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Super. Puis relâche. Remonte sur le bout de tes doigts et viens placer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ouvre ton pied à 45 degrés vers l'extérieur. Étends ta jambe gauche à l'arrière, pied pointé. Relève ton buste, regard vers l'avant. Et ressens l'ouverture dans ta poitrine et pas loin de tes oreilles. Un grand cercle avec ton bras droit pour placer ta main droite à l'arrière sur ta cuisse. Accompagne ici avec le regard. Attrape ton pied par l'extérieur avec ta main et presse ton talon vers ton fessier. Dans le même temps, pousse tes hanches vers l'avant pour bien étirer l'avant de la cuisse. Puis relâche. Redépose ta main droite à l'intérieur de ton pied et tends ta jambe droite demi-split. Presse ton talon avant dans le sol pour sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. Navigue tes mains sur le côté gauche de ton tapis. Et reviens au centre. Tourne ton tibia gauche vers l'extérieur de ton tapis à droite. Pousse fort dans ta main droite et envoie ton bras gauche vers le ciel. Bébé Visvamitrasana. Résiste bien dans l'épaule pour sentir l'ouverture dans ta hanche. Puis redépose tes deux mains au sol à nouveau, tu es à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Monte sur le bout de tes doigts et place ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Ouvre ton pied à 45 degrés vers l'extérieur. Pointe ton pied droit et pousse tes hanches vers l'avant. Lève ton buste et pour loin des oreilles, tu crées de l'espace. Pousse fort dans ta main droite et dessine un grand cercle avec ton bras gauche pour placer ta main sur ta cuisse. Puis plie ton genou, attrape ton pied par l'extérieur et presse ton talon vers ton fessier. Puis relâche. Redépose tes mains à l'intérieur de ton pied et tends ta jambe gauche demi-split. Pied flex, tu presses le talon dans le sol en tirant ta hanche gauche vers l'arrière. Navigue à présent tes mains à l'extérieur droit de ton tapis. Et reviens. Tourne ton tibia droit du côté gauche. Main gauche à l'intérieur de ton pied gauche, tu envoies ton bras droit vers le ciel. Presse l'épaule contre le genou résiste.
Puis redépose ta main au sol, tu es à nouveau à quatre pattes. Puis flex, place tes fessiers sur tes talons, Balasana. Pousse dans tes orteils et envoie tes hanches vers le ciel à Dumukha, ton chien tête en bas. Montre haut sur la pointe de tes pieds. Et redépose. Pédale un pied, puis l'autre. Ressens du mouvement à l'arrière de tes jambes. Montre haut sur la pointe de tes pieds. Et redépose tes genoux dans le sol. Pied flex, Balasana. À nouveau, retends tes jambes, Adho Mukha. Puis redépose. On continue sur l'inspire, envoie tes hanches vers le ciel. Et sur l'expire, Balasana. Cette fois-ci, pointe tes pieds et envoie tes bras à l'arrière le long de ton corps, front connecté à la terre. Attrape tes talons par l'extérieur et bascule sur le sommet de ton crâne pour la posture du lièvre. Tire tes hanches très haut vers le ciel et vers l'avant. Puis redépose et relâche tes talons. Une profonde inspiration par ton nez. Et sur ton expire, déroule vertèbre par vertèbre. Deux options ici, attrape tes coudes opposés. Ou si c'est accessible pour toi, tu peux placer tes mains en namasté à l'arrière de ton corps. Dans cette posture, relaxe bien dans tes épaules. Allonge dans ta colonne vertébrale en tirant le sommet de ton crâne vers le ciel. Puis relâche. Dépose tes mains dans le sol et bascule tes hanches vers l'avant. Pour ton chien, tête en haut, pieds pointés. Presse le dos de tes pieds dans le sol et tire ton regard vers le ciel. Éloigne les épaules de tes oreilles en les tournant légèrement vers l'extérieur. Tu les rétractes vers l'arrière. Flexe tes pieds, envoie tes hanches à l'arrière, Adho Mukha. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Pointe ton pied droit puis ton pied gauche. Et ouvre dans ta poitrine, chien tête en haut. À nouveau vers l'arrière, Adho Mukha, ton chien tête en bas. À nouveau, déroule vertèbre par vertèbre. Pointe ton pied gauche, puis ton pied droit et ouvre dans ta poitrine pour Urdhva Mukha, ton chien tête en haut. Rebascule à l'arrière, Adho Mukha, ton chien tête en bas. Montre haut sur la pointe de tes pieds et marche comme une ballerine pour retrouver l'avant de ton tapis. Entrelace tes coudes à l'arrière de tes cuisses et viens serrer tes jambes vers toi, jambes pliées. Doucement, tu commences à tendre tes jambes pour sentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. Dépose tes mains dans le sol et place ton pied gauche à l'arrière à 45 degrés dans la posture de la pyramide. Tu es sur le bout de tes doigts, ta colonne vertébrale est bien longue. Lève tes talons vers le ciel. Puis redépose. À nouveau vers le ciel. Et redépose. Si tu le peux, maintiens le bas de ton ventre connecté à ta cuisse.
Parfait. Place ton pied gauche à l'avant de ton tapis et change de côté, pied droit à l'arrière. Même chose. Allons vers le ciel. Et redépose. Continue vers le ciel. Et redépose. Assure-toi de garder tes hanches bien parallèles, ton buste bien droit. Puis fais un grand pas avec ton pied droit à l'avant, à nouveau Uttanasana. Attrape tes chevilles par l'arrière et fléchis tes genoux doucement pour venir t'asseoir, doucement avec contrôle. Envoie tes bras vers l'avant et assieds-toi délicatement dans le sol. Bras le long de ton corps, paume de main vers le ciel, lève tes jambes à 90 degrés. Navasana, la posture du bateau. Inspire, je suis avec toi. Si c'est confortable pour toi ici, tu peux tout à fait envoyer tes bras le long de tes oreilles et tendre tes jambes vers le ciel. Pour une, redépose tes pieds dans le sol, tes mains sur tes tibias. Et on dessine de grandes vagues ici avec la poitrine vers l'avant. Tu ouvres et pousses loin des oreilles. Et sur l'expire vers l'arrière, tu arrondis. Continue vers l'avant et vers l'arrière. Place à présent tes mains à l'arrière de ton corps, tes doigts qui pointent vers l'avant. Pousse dans le sol avec tes pieds et tire tes hanches vers le ciel pour la posture de la tête. Puis redépose. Round 2, option de tendre les jambes, pieds pointés. Même chose, tu pousses dans tes appuis pour tirer tes hanches vers le ciel et basculer ta nuque vers l'arrière. Puis redépose. Super. Envoie tes bras très haut vers le ciel. Flexe ton pied droit. Flexe ton pied gauche. Engage tellement tes jambes que tes talons sont hors du tapis. Et plonge vers l'avant pour attraper tes pieds par l'extérieur en maintenant ton dos bien droit. Sur l'inspire, tu allonges dans ta colonne. Et sur l'expire, tu plonges. Doucement, déroule vertèbre par vertèbre pour trouver une position allongée sur ton dos. Nous terminons cette pratique avec une inversion au choix. Et Viparita Karani en tendant les jambes vers le ciel à 90 degrés. Et si tu souhaites aller plus loin, posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana. Pour Salamba, tu tires tes jambes vers le ciel et tu viens soutenir l'arrière de ton dos avec tes mains. Dans la chandelle, tire tes pieds très haut vers le ciel. Allonge ton corps vers le plafond. Les jambes sont engagées, les pieds sont pointés. Doucement, ramène tes pieds à l'arrière de ta tête, bras dans le sol. Alasana, la posture de la charrue. Essaye de tirer tes hanches le plus haut possible vers le ciel pour créer cet angle à 90 degrés. Si c'est confortable pour toi, plie tes genoux et presse tes oreilles avec tes genoux. Le plus lentement possible, redéroule vertèbre par vertèbre. Trouver ta posture finale, Shavasana.
relâche tes mains au-dessus de ta tête et viens t'étirer au maximum en tirant tes pieds le plus loin possible, tes mains le plus loin possible. Et sur l'expire, tu relâches. Offrant à ton corps le cadeau d'une relaxation profonde.
Pense à approfondir ta respiration. À bouger tes doigts, tes orteils. La nuque de gauche à droite. Entrelace tes mains au-dessus de ta tête et étire-toi comme un second réveil. Puis dès que le moment est juste pour toi, tourne-toi sur le côté préféré de ton corps en position fœtale. Et repousse-toi en position assise, yeux fermés. Connecte tes mains en prière devant ta poitrine et incline-toi vers l'avant, signe de respect et de gratitude pour ton corps. Merci. J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer toute la plateforme gratuitement pendant 7 jours. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite.